Mathieu Dreano, donc j'ai 40 ans, ça fait exactement pas mal d'années. Je suis arrivé au club, j'avais 15 ans. Bon, je suis parti entre temps sur un autre club pour essayer ailleurs et je suis revenu en tant que joueur. Ensuite, je suis passé éducateur et ensuite, je suis rentré au comité directeur en tant que secrétaire. Et puis, à partir de 2012, je suis passé président du club. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Au niveau du club, donc, le club a fêté ses 80 ans en 2019. Donc on a un club assez ancien maintenant. Enfin, au niveau du département, c'est un club aujourd'hui qui est présent sur toutes les catégories. On faisait encore à peu près 250 licenciés il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 350 licenciés environ. Donc on part de la catégorie baby-foot, donc les U5 on va dire entre guillemets, jusqu'aux seniors, vétérans, en passant par une entente féminine. Et on va même lancer cette année une U11F. Les objectifs, donc voilà, on est vraiment sur la structuration à moyen à long terme. Donc l'objectif c'est d'être présent sur toutes les catégories. Donc on a lancé l'année dernière cette section baby-foot. On a relancé le côté féminisation du club avec l'entente avec le club de Saint-Florent-sur-Cher. On a été labellisé aussi la saison dernière sur l'école de foot féminine avec toutes les filles qu'on a au niveau du club. On est en train de regarder aussi sur la diversification du foot, avec le foot en marchant notamment, et aussi peut-être une section e-sport. Après sur le niveau sportif, donc c'est un club qui a toujours été au niveau départemental, au niveau senior. Donc l'objectif à moyen et long terme évidemment c'est de passer un palier au niveau de nos structures notamment et du nombre de licenciés que l'on a au niveau du club, c'est de passer ce palier au niveau régional. C'est quelque chose qui est difficile mais on espère qu'on va y arriver un jour. Donc voilà, par rapport au programme éducatif fédéral, donc c'est quelque chose que l'on tient aussi à mettre en place chaque année, notamment au niveau de toutes les catégories jeunes. On a un responsable du programme éducatif qui met en place des actions tout au long de l'année. On a aussi une personne en service civique qui va arriver, ça fera partie de ses missions au niveau du programme éducatif fédéral, plus deux stagiaires qui sont en BPJEPS, qui vont accompagner aussi les catégories jeunes sur ces actions-là. On essaye de mettre en place des actions. L'année dernière, on a fait venir le Père Noël, notamment, au niveau du club. On voulait faire un arbre de Noël, mais avec évidemment la période Covid, les salles qui étaient fermées, le Père Noël était venu directement sur le terrain de foot, donc on va essayer de le remettre aussi en place cette année. On fait beaucoup d'actions, par exemple la galette des rois aussi, en janvier on essaie de réunir toute l'école de foot. On avait mis en place aussi avec une association un match caritatif, on a fait participer aussi l'école de foot en tant que ramasseur de balles. On essaye aussi avec le club phare du département, le Bourges Foot 18, d'envoyer nos enfants pour qu'ils puissent participer au match aussi. Et des projets comme évidemment un déplacement sur un match de Ligue 1 qui est aussi en projet pour cette année. Et pas mal d'actions. On est en train aussi de regarder pourquoi pas Nettoyons la Nature qui fait partie aussi du programme éducatif fédéral. Exactement un peu la philosophie du club. On est un club amateur mais on est d'abord une association. Donc on essaye vraiment de faire partager notre philosophie à nos parents. On leur dit toujours en début de saison, voilà, on est une association, on essaie d'être un club de football. On est là aussi pour apprendre le football aux enfants, mais pas que. On a ce relais au niveau de l'école, on a ce côté éducation et on essaie de vraiment d'apporter une valeur ajoutée aussi pour nos parents. Et ça, on ressent vraiment leur retour positif du fait, même en hiver, quand il fait très froid, Les parents restent aux entraînements pour regarder leurs enfants. On essaie toujours de travailler sur les thématiques qui ont lieu, notamment qui parlent aux enfants. Donc Halloween qui est vraiment une thématique très importante pour les enfants, qui a lieu chaque année le 31 octobre. Il va y avoir les vacances scolaires, donc pendant les vacances scolaires ça va être compliqué à mettre en place, donc on avait décidé de mettre en place
l'animation Halloween sur cet entraînement. Donc l'idée c'est de faire déguiser par la suite les enfants et de leur faire un goûter d'Halloween à la fin de la séance d'entraînement. C'est sympa de, moi je trouve ça sympa de donner une dimension, une autre dimension aussi, comme vous dites, sociale, où on peut rencontrer d'autres gens, même en tant que parents, ça nous permet de rencontrer d'autres gens qui ont leur enfant ici aussi. Et puis pour les enfants, c'est chouette aussi. Le côté sympa et aussi attirant pour les enfants. Bah justement, le mois de décembre, notre Père Noël qui va venir au niveau du club, on va essayer de mettre en place cette année l'arbre de Noël en salle, un peu au chaud pour les enfants, mais si on entend des complications, on le fera sur le terrain comme l'année dernière, mais pourquoi pas, ouais, c'est un bel événement, et on voit vraiment les yeux des enfants qui pétillent. Non, ce que je dis, voilà, le football c'est une fête avant tout, faut que c'est un sport qui doit rassembler tout le monde et pas diviser au contraire, donc... Surtout pour les enfants, soyons derrière les enfants, encourageons-les, et pour la Coupe du Monde, soyons derrière nos bleus. Voilà.